Bonjour, bonsoir tout le monde. Je dis à vous une vidéo qui est vraiment récente pour nous. Quand vous partagez une technique avec nous, donc si nous capable de garder dans cette vidéo, nous allons voir de qui ça va parler. Je vous demande de bien garder pour nous bien comprendre tout le monde. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous demande de vous abonner et de mettre une petite cloche de notification sur tout. Parce que sur la chaîne, ça me toujours partager des secrets qui sont vraiment intéressants et qui sont vraiment utiles. Donc avant de commencer, je vous envoie une grande salutation pour nous tous. Spécialement, je vous invite à quitter pour mieux commenter dans la dernière vidéo qui m'a la guerre. Salutations à Kevin Joseph, Wittien C. Jean, Clovis Thomas, Erno Bruno, Léon Nixon, Williamson de Silma, Kenson Israël, Fredrickson Frenor, Kerry Molm. Salutations à Chipotiction, Clovis Thomas. Salutations à Etienne Léodin, Carlos Tevez Jean, Kevin Joseph, Dennis Love Evans. Salutations à MD Validé, Wadler Fleurima, Dimitri Seloni, Jean-Louis Claude Roméus, Collins Elas. Salutations à Fabi Bimada Jean Moumabon, Darius Lukens, Jean-Louis Dorival, Choco Papa 07, Cordin Lazare. Et une grande salutation pour Belle Délicier. En pile respect, donc c'est toujours même gens. Partage vidéo et puis quittez commenter pas. Yon façon dans la prochaine vidéo pour capable citer non. Et bien, on nous entre dans le sujet vidéo. Donc pour nous réaliser ça, nous pouvons le faire. Yon face pour téléphone Android nous. Vine paraître tant que c'est un iPhone. Nous pouvons aller sur Play Store. Premièrement, nous avons téléchargé l'application ça qui c'est lanceur iOS 16. Donc ça c'est l'application ça. N'a pas installé là. Les nous finissons d'installer l'application et puis nous faisons recherche application ça qui c'est verrouiller l'écran iOS 16. Donc ça c'est l'application ça. N'a pas cliqué sur lui et puis n'a pas installé là. Là nous finissons d'installer l'application et puis nous allons faire recherche application ça qui c'est Control Center iOS 15. Donc ça c'est l'application ça. N'a pas installé là. Donc là nous finissons d'installer et puis nous allons faire recherche application ça qui c'est Contact Assistance iOS 15. Donc ça c'est application ça et puis nous allons installer là. Donc là nous finissons d'installer toute application qu'on y a. Et puis, nous avons ouvert le premier qui c'est contrôle iOS 16. Mais avant tout, nous avons écran téléphone moyen. Là, nous avons ouvert l'application la page comme ça. Et puis, nous avons cliqué sur autoriser. Nous avons cliqué sur autoriser. Autoriser. Et puis, nous avons descendu par en bas. Et puis, nous avons cliqué sur Make Default Launcher. N'a cliqué sur OK et puis n'a cliqué sur iOS Launcher et bien application pour le définir comme lanceur par défaut téléphone là. L'appareil comme ça n'a cliqué sur OK et puis automatiquement là nous avons icône application téléphone là vient changer. Yo vient paraître dans style icône application iPhone yo. Donc avant de continuer avec l'autre yo, va montrer nous quelques options qui important qui application ça gagne. N'a cliqué sur lui. Premièrement, on a cliqué sur fond d'écran. Et bien là, on a changé fond d'écran téléphone. On a cliqué sur un nayo. L'appareil comme ça, on a cliqué par en bas sur OK. On a fait back. Automatiquement, nous avons fond d'écran vient changer. On a retourné sur l'application. On a cliqué là sur changer d'icône. Et bien là, toute application qui est sur le téléphone nous apparaît. Par exemple, on a cliqué sur GB WhatsApp. Donc pour nous faire ça, on a cliqué là sur l'icône crayon. Et bien, option ça aussi, côté nous capable de changer icône WhatsApp là. Ou dis-moi ce côté nous capable de changer logo WhatsApp là. Si par exemple nous cliquons sur le logo Snapchat là, et bien automatiquement, après le logo Snapchat là, vient remplacer le logo WhatsApp là. J'ai plusieurs WhatsApp sur le téléphone là. Je fais ça sur le deuxième WhatsApp là qui c'est FM WhatsApp. Donc pour nous faire ça,
n'a cliqué là sur l'icône crayon. L'appareil est comme ça. Par exemple, n'a cliqué sur le logo YouTube là. Et puis automatiquement, nous avons le logo remplacé le logo WhatsApp là. N'a fait back. Nous voyons le samedi 10 nous. Donc, ça nous capable de garder. Ça c'est WhatsApp GBA. Et puis ça c'est FM WhatsApp là. Sur WhatsApp GBA, nous avons le logo Snapchat là qui paraît. Sous FM WhatsApp là même, nous c'est le logo YouTube là qui paraît. Si par exemple nous cliquons sur GB WhatsApp là, automatiquement nous WhatsApp là monté. Si par exemple nous cliquons sur FM WhatsApp là, automatiquement nous WhatsApp là monté. Nous trouvons ça vraiment intéressant. Nous retournons sur l'application. Nous faisons back. Nous cliquons là sur changer de nom. Et puis automatiquement là toute application qui sur téléphone nous a monté. Par exemple, n'a cliqué sur GB WhatsApp. N'a cliqué là. Et puis automatiquement là, nous avons possibilité pour nous changer nom. Par exemple, n'a écrit un autre nom. Par exemple, écrit le ni, mais nous capable écrire n'importe ça nous voulez. Là nous fini n'a cliqué sur OK. Par exemple, n'a cliqué sur deuxième WhatsApp là. Mais nous pouvons cliquer sur n'importe quelle application nous voulons. C'est juste exemple m'a montré nous. N'a cliqué là et puis n'a effacé noir et puis n'a mis un autre nom. Là nous fini que nous n'a cliqué sur OK. N'a fait back automatiquement n'a pour nous envie changer. Ça nous capable garder hein. Donc nous avons GB WhatsApp là. Nous envie de remplacer par l'uni. Nous FM WhatsApp là, nous avons envie de remplacer par Jean-Pierre. Wow! Et bien depuis là, amis, qui sont en train pour abonner toujours, qui sont en train pour faire vidéo et un like. Si par exemple on a un ménage ou dis-moi sous prêter mon téléphone, et puis mon cherche WhatsApp là sur téléphone, mon ça pas foutu je ne. Non seulement un, logo WhatsApp là vient changer. Deuxièmement, nous avons changé. Ça veut dire là vraiment impossible pour nous trouver WhatsApp là. N'a retourné sur application hein? Et puis n'a cliqué par en bas sur badge de notification. N'a activé application là. N'a cliqué sur autoriser. Et puis n'a fait back. Et bien là, nous allons ouvrir deuxième application que nous avons installée hein, qui s'est verrouillé l'écran iOS 16. N'a cliqué par là, n'a activé là. La paille comme ça et puis n'a activé l'application là. N'a cliqué sur autoriser. N'a fait back. Et puis n'a cliqué là encore n'a pas activé. N'a cliqué sur autoriser. N'a cliqué sur start. Et puis n'a pas activé le panel là. La paille comme ça n'a pas activé là. Et puis n'a fait back. Et puis n'a réactivé là encore. Donc option ça permet de nous verrouiller écran téléphone là. N'a cliqué sur le qui se passe code settings. Là nous fin mettre code là, là n'a prêté code là, n'a pressé dans le style iPhone là qui paraît même. OK, là paraît comme ça n'a activé là et puis n'a cliqué sur cette passcode. Et puis n'a pas créé un code, nous capable mettre n'importe code nous voulez. Par exemple, m'a mettre 1 2 3 4 5 6. Et puis n'a entré code là une deuxième fois pour nous capable confirmer là. Normalement code là activé. N'a fait back. Si par exemple nous fermons le téléphone là, nous pourrons le paraître. Bao! Quand il y a pour moi le téléphone, ça coûte ça pour le pas dire un iPhone qui n'a pas besoin même. Gardez-le bien pour vous. N'a pas cliqué par en bas là et puis n'a glissé le monté. Normalement, nous avons le code là monté et puis n'a pas entré le code qui nous a mis. Normalement, le téléphone là déverrouillé. Mais avant d'activer l'option, ça est plus bon pour nous retirer le premier code nous sur le téléphone noir. Il y a une façon pour le téléphone là venir un seul code. Ça veut dire que si nous quittons le premier code là, et puis nous venons mettre le code ça, le téléphone n'a pas deux codes sur lui. Ça veut dire que nous finissons le premier code là, et puis le code ça nous mettons à venir paraître, et puis nous avons entré encore. Donc nous intelligents, nous quittons ça veut dire non. Quand nous allons ouvrir la troisième application nous avons installé, hein, qui c'est Control Center iOS 15. Là nous finissons ouvrir l'appareil comme ça, et puis nous avons activé là, nous avons fait back. La paraît comme ça et puis n'a glissé doit nous sur le téléphone comme ça et puis la vin paraît comme ça automatiquement n'a pris un bas qui paraît sur côté téléphone là n'a cliqué sur position
Donc ça c'est une publicité, n'a plus qu'à se fermer. Et bien là, côté qui m'a quitté là, si nous blessons le monter, nous est bas agrandi. Comme ça, nous capable cliquer là pour nous changer couleur. Nous sommes capables de faire bas apparaître par en bas téléphone là. Là, nous capable faire apparaître par en les téléphone là. De par exemple, nous faire apparaître par en bas. Normalement, nous est bas apparaître par en bas là. Ok, nous fait back. Si par exemple qu'on y a, nous cliquons par en bas et puis nous glissons le monter, l'appareil comme ça. Et puis nous cliquons sur OK pour nous capables d'autorisation. Et puis nous activons là. Et puis nous faisons back. Quand nous cliquons là encore par en bas et puis nous glissons le monter, nous voyons les gens qui apparaissent. Waouh! Waouh, ça même, ou pas aussi un iPhone? Anik, nous cliquons par en bas là et puis nous glissons le monter comme ça. Si par exemple on marche avec le téléphone là, pas de monde qui peut connecter, c'est pas un iPhone ni. Jean nous capable garder hein. Donc ça qui est intéressant, nous avons un paquet d'icônes qui paraît là. Là nous capable faire musique sur téléphone noir si nous cliquons là. Là nous capable monter luminosité quand téléphone là. Là nous capable descendre ou bien monter volume téléphone là. Là ça c'est caméra téléphone là, nous capable faire photo. Là c'est flash là. Donc avec un paquet d'autres options comme trouver qui vraiment intéressant. Qu'on y a nous pour ouvrir quatrième application nous installé hein. En parlant de contact assistance iOS 15. N'a pas activé là, n'a fait back, et puis l'appareil comme ça. Normalement, nous avons une icône qui paraît, n'a fait back. Si par exemple nous cliquons sur l'icône ça, et puis la vue paraît comme ça. Là, nous avons différentes options qui paraît. Si par exemple nous cliquons là, automatiquement nous avons téléphone qui paraît comme ça. Par exemple, nous cliquons sur préféré. Et puis là, nous avons différentes icônes qui paraissent. Par exemple, nous cliquons sur première. Et bien là, toute application sur téléphone nous a monté. Par exemple, nous cliquons sur WhatsApp. Nous cliquons là encore et puis nous faisons même Et puis là, c'est côté nous capable ajouter toute application préférée nous yo. Ça veut dire automatiquement nous cliquons sur icône là et puis nous cliquons là sur préféré. Là n'a une application genre nous capable garder et puis n'a pas nous cliquer sur ça nous besoin et puis automatiquement la ouvrir. Nous trouve option ça vraiment intéressant. Donc nous pas besoin plaider à chercher application ça. Automatiquement nous cliquer là et puis nous cliquer sur préféré, n'a toujours ni plus rapide. Mais avant tout, si toutefois nous t'aimons faire téléphone n'apparaître normal, j'en l'ai auparavant. Donc, nous avons juste désinstallé toute application que nous t'ai installé. Téléphone n'a vu j'en l'ai. Wow, ça même. Donc, nous revenons faire vidéo en oui. Qui sont obtenus pour abonner avec channel là? Qui sont obtenus pour partager vidéo en tout côté, dans toute page, dans tout groupe? Donc, si vous nouveau sur channel là, maman de vous abonner. Parce que il y a un pilote plus belle option pour le partager avec nous toujours et me batailler mon petit. Et bien, maintenant, nous avons une autre vidéo qui est intéressante toujours. À la prochaine.